Donc, un des intérêts de la télémétrie au travers le son, c'est que l'information ne se perd pas. Donc là, on a le son en fait qui est branché sur la station sol, qui récupère les trames en binaire du drone, qui les décompresse, on va dire, en quelque sorte, et qui les rebalance en NMEA au travers de Bluetooth, Bluetooth, et Android Citron, ben, il croit que c'est un GPS pour lui. Et en plus, l'altitude, c'est l'altitude barométrique, qui est beaucoup plus précise que l'altitude GPS. Et à 5 Hz, c'est pas dégueulasse. Surtout, la portée, qui n'est pas limitée au petit modem XB 100 mW, Donc là, si je fais une pause ou que je change d'emplacement, POC. Donc là, j'étais à 140 mètres de haut. C'est marqué en tout petit là-haut, voilà. Toutes les informations sont présentes dans le son, dans ce son assez strident. Tout l'intérêt, hein, c'est en temps réel, pendant le vol, d'avoir tranquillement son petit téléphone posé à côté de la station et d'avoir l'emplacement du drone de manière un peu plus jolie qu'un OSD qui indique une simple flèche. Bon, après, l'un n'empêche pas l'autre. Si je débranche le son, bien sûr, tac, le GPS va s'arrêter.